avec même bon que ça, pour aller le rouler bas aujourd'hui, pour recevoir le cas posé, pour le faire entrer dans le pays côté Liwa, pour tout le temps, sans arrêter. Amen. Amen. Soutenir une dernière fois. En disposer donc que capable la prière pour famille ça qui attristé par départ mon sacrifice cher en pile pour vous. Nous tous nos ses pécheurs, nous pas toujours faire sa volonté lui-même, les demander nous fait à cause d'un jeune péché qui n'en nous pour négligence frère nous, monsieur Stenio Delva et nous même tous qui pas tout en été fidèle avec, comme un bon Dieu, ne manquez rien, en demandant bon Dieu pardon pour tout péché nous. Continuons à implorer la miséricorde divine à travers le chant de pitié. Pas privé yo. Mon sort yo même quoi, c'est mourir yo mourir. Sorti yo sorti sous terre, paraît tant coup un gros malin. Et quitter yo quitter non paraît tant coup c'est yo fini net. Mais au contraire, c'est dans cœur posé yo yé. Jeune mon yo même qui quoi c'est réglé y a réglé yo. Mon correct yo te grand espoir yo pas mourir pour ti sang yo souffriant et après si voir gros récompense bon Dieu sonde yo et li wè yo bon ange li nettoyer yo tant pour l'or yo passé nan di fe et li accepte yo tant pour bête yo konn voulé pour li yo. Jour bon Dieu va visiter nan, y apparaît dans les lumières et y a couru tant pour étincelle d'ife dans yon chancan. Y a commandé peuple étranger yo et y a chef peuple yo. Et grand maître là va roi pour tout temps. Mon qui mettait confiance yo dans lui va joindre la vérité. Et mon qui vient de faire dans le chemin, va arrêter bon côté dans les mains. Parce que mon choisi de reconnaître Jean-Lipon, Jean-Kel sensible.
parole dans mes plans. Bon Dieu, merci. Soit ça qui correct parce que votre cœur va plaire. À la chance tout le monde qui a bon cœur parce que il y a un bon cœur avec vous. À la chance tout le monde qui franc parce que il y a un bon Dieu. À la chance tout le monde qui travaille pour nous dire la préposé parce que il y a relé au petit bon Dieu. À la chance tout le monde il fait partie matière pour être ça qui correct parce que pays roi qui dans ciel là c'est pour vous. À la chance pour nous les abadichonnés, les affaires passématiques, les affaires toute qualité vivantie sur nous, pour être eux-mêmes. Si vous nous chantez, si vous nous dansez, parce que la joie est une grosse récompense dans le ciel. Capable de saluer Fréno, Jean-Louis Stenio, Delva, une dernière fois sur Théa. Tant que vous avez vu ça, j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Expérience que nous ferons avec Jean-Louis Stenio, Delva, dans la qualité de la foi, nous sommes certains que couronne justice, couronne la vie qui n'a jamais fini, lit déjà, et bien, là, dans les. Parce que, il te fait, bon Dieu, en pile confiance. Il te fait en pile, non, bon Dieu. Et, le songe dernière fois que tu es passé à visiter lui, et bien, il te la prière tant que le monde qui gagne la foi ferme, la foi solide, non, bon Dieu. Et qui ça, bon Dieu dit non? Eh bien, le monde qui mettait confiance dans lui, le monde ça, il va joindre la vérité. Tant pour, eh bien, le livre, la sagesse à lui-même lui dit non. La vie, le monde correcte, mais bon Dieu, et aucun mal n'est pas privé. Mais le monde se croit que c'est mourir que il est mourir. Tout le monde qui, pendant que il souffle la vie dans lui, qui veut reconnaître bon Dieu, qui veut m'accorder la vie par yo, avec par bon Dieu, dans la foi yo, mon sa yo, eh bien, yo pas mourir. Mon sa yo, eh bien, c'est aboutissement la vie yo qui finit sous terre. Parce que Jésus, lui-même tout est passé dans la mort.
mais il a remporté la victoire sous la mort. Peut-être ça, tout le monde qui croit dans Christ là, eh bien, nous ne savons pas mourir. Frère Noël-Seigneur, il était vraiment attaché avec l'Église. Et non seulement lui-même, mais tant qu'on a pris le monde dans la famille, il était attaché à l'Église. Il était une dévotion spéciale à Maman Marie. Peut-être ça, hier soir, nous avons fait quelques dizaines de chapelets, en façon pour nous demander Maman Marie pour l'Ika. Et bien, intercéder pour côté Jésus pour être capable de recevoir notre frère Esténio. Et d'un coup, l'évangile là, il dit nous, Jésus, libère le programme la vie complète à Mounsayo qui, pendant que vous souterrez, arrivez, m'a connu sous la vie avec la vie par mon Dieu. À la chance pour nous, et bien, qui a un bon cœur, parce qu'il a un bon cœur avec vous. À la chance pour le monde qui travaille, pour le monde qui va composer à l'élection petit bon Dieu. Et suivant le témoignage que nous recueillons de la part de plus d'eux, nous disons que frère Nostegno te remet un bon conseil. Il remet un bon conseil. Et automatiquement que, eh bien, au coup des conseils que Libaouyo, c'est sûr et certain que vous apprenez bon chemin. Et songez que l'été continue, le travail en pile dans le sud. Il fait zone la côte, zone campée, dans les Maliches, non? Maliche. Donc, ce sont des gens qui, eh bien, travaillent en pile pour le pays, pour la communauté. Donc, vous avez dit hier soir, eh bien, il était voyagé, mais pas jamais, mais pays étranger. Si la bonne presse dans la ville, c'est peut-être 4 fois, 4 fois seulement. Donc, ce sont des gens qui devaient la caille en pile. Et le parcours lui, on doit apprendre que lui est en pile petite. Il est en pile petite. Donc, tu as compris, on va dire quoi c'est et vous divisez la terre. Donc, ça, les mérités fait. Mais, finalité de la vie, nous, c'est justement projet bon Dieu. Projet bon Dieu, qui s'allie, c'est les que, lui, ouais, les que nous mourir, nous entrer dans le pays côté du roi. Donc, comme d'hab dit tout à l'heure, dans la qualité de la foi que Frère Stéphane était dans mon Dieu, nous sommes certains que l'Église est réjouie dans la vie qui va jamais finir, qui c'est le royaume bon Dieu, qui c'est le pays roi qui est dans le ciel là. Alors, bon Dieu a demandé pour que nous courons la vie, nous courons la foi. Nous, d'un coup, Frère Stéphane était fait ça, et bien, sous Jésus. Donc, dans le dernier hommage ça que nous venons à Frère Nostegno, en réfléchissant à la fois que nous avons gardé, eh bien, qui a une relation liée avec mon Dieu. Bon Dieu, demandez-nous pour nous aimer, eh bien, qui a nous aimer, qui laisse nous aimer. Nous avons le monde qui nous dit, eh bien, nous n'avons presque pas pratiqué ça que les remets, mon Dieu. Et automatiquement que nous faisons fort pour que nous vivions, remettre Christ là, vivions, et bien charité Christ là. Il m'a dit que nous nous remettons l'autre. Et bien, c'est sûr et certain que nous avons commencé le travail pour nous construire le pays qui est dans le ciel là, sous terre. Alors, frère nos seigneurs, nous voyons que, et bien, il était entouré de et le monde qui était cher en pile avec et la Kaili. En pile, son nom qui remet en pile, en pile. Donc, même Jean qui te remet, c'est pour témoigner à remet ça, lui, et bien envahir nous tout qui s'est petit, nous tout qui s'est proche, lui. Croire solide dans Christ là, même Jean te croit que bon Dieu c'est héritage, lui, bon Dieu c'est sauveur, lui, bon Dieu c'est s'il est capable, et bien dans des jours, ben la vie de Jean finir, c'est pour nous prendre ça comme témoignage en façon à ce que pour nous remet bon Dieu. Remets pour chien, créer un petit temps pour nous à l'église, pour nous écouter parole, mon Dieu. Et frère nos seigneurs, et dans mes matins, chaque matin, tu es tout le temps fait une fois pour lui, la prière, mon Dieu. Non seulement chaque matin, mais tout, chaque dimanche. Donc, ça sont vos témoignages liés pour nous-mêmes petits, nous-mêmes qui sommes proches lui. Donc, créer un petit temps pour que nous à l'église, pour nous écouter parole, mon Dieu. Parole sacrée sont parole la vérité. Parole sacrée sont parole, et bien qui est capable de libérer nous de et bien, tout orgueil, tout ego et la vie. Parole ça, et bien, le nous attacher nous avec lui-même,
qui est capable de faire nous entrer dans la vie qui n'a pas besoin de finir. Merci pour tout ça que bail frère Estenio dans la ville. On dit merci pour tout ça qu'il a fait pour nous dans la ville. Pour tout ça qu'il a fait pour le programme bon Dieu a réalisé sur terre. En nous la prière. On demande bon Dieu pardon pour péché frère Estenio et pour tout péché par nous. En nous la prière. Tout bon bruit. On demande et de nous faire toute faveur de faire mieux, by tout rendement yo mérité by. En nous la prière. Que nous gagnons avec bon Dieu, qui montre des relations que nous gagnons avec prochain nous. Bon Dieu, nous, dans l'autre moment, est-ce que, eh bien, que nous, la bientôt en état pour nous, eh bien, entrer dans, eh bien, la vie qui va jamais finir pour nous continuer, eh bien, fêter pour nous continuer, vivre l'autre la vie, ça que Jésus lui-même lui promet nous. Au réseau FINEB de feu Jean-Louis Stenio Delva, né le 5 décembre 1932, décédé le 4 octobre 2022. Ce n'est pas sans raison que je prends la parole pour parler de la mémoire de feu Jean-Louis Stenio Delva. En effet, il naquit le 5 décembre 1932 à Maniche. Et il est le fils de feu Merci Dieu Delva et de Anélie Favard, dont la famille est composée de 5 enfants, c'est-à-dire Sidio Delva, Iva Delva, Stenio Jean-Louis Delva, Rose Marie Delva et Carmel Delva. De plus, il épousa Eda Chéristal, qui enfanta Guy Delva, Barnabé Gérard Delva, Rose Marie Lucie Delva de Vete Mémoire et Jean de Lens Delva. En outre, très tôt dans son jeune âge, il était un laïc engagé, c'est-à-dire sacristain à l'église Sainte-Rose de Luma à l'époque du révérend Père Quinquis.
Et il chanta très bien le latin jusqu'à sa mort. Ensuite, il débuta sa carrière administrative étatique à Roche-Cabato en tant que préposé au bureau des contributions et tantôt à Port-à-Piment, à Maniche, à Camperin et au bureau des contributions des Cayes. Aussi, sa carrière a été couronnée de succès et son nom est inscrit au cadastre de l'État haïtien comme un employé exemplaire dans un pays où certains considèrent l'État comme choual papa, autrement dit, dilapidait les derniers publics, la caisse de l'État. En 2016, il visita les États-Unis d'Amérique et il parcoura plusieurs États en voiture de la Floride jusqu'à New York avec son fils Jean-Denis Delva et son fils adoptif Franz Eliezer. Et il avait aussi des enfants dits naturels tels que Dalil Télémaque, Jorel, Franz Philippe, Paula Philippe, Chrisby, Michelet, Marcellus, Michel Mérius, Marise, Marie-Lise Pierre, fille de Yéyen. C'est-à-dire, il était un vert galant. Feu Jean-Louis Tenodelva, alias Prépo, tomba malade. Et il avait toujours l'idée en tête de retrouver sa santé. Mais c'était impossible. Comme vous le savez déjà, la vie est un mystère. Et la mort frappe tout le monde, grand et petit. Et personne n'y échappe. Cependant, après la mort, la vie n'est pas finie. Et on ne peut pas accéder à la sainteté sans passer par la mort. Autrement dit, c'est un chemin incontournable pour les chrétiens et les non-chrétiens. Et heureusement, la résurrection et le jugement sont évidents pour tout le monde. Et il reverra un jour ses parents et ses amis. Enfin, il prêta toujours ses services à la communauté de Maniche. Et il avait l'habitude de jouer casino, cartes, domino avec ses amis à la longueur de la journée. Et c'était une source de joie pour lui. Mais il a connu aussi des moments difficiles après la mort de sa propre fille, Marie-Lucie Delva, à New York. C'est un homme de caractère, de conviction et de détermination. Et c'est aussi un homme politique et c'est un nationaliste. Il disait toujours, c'est triste et c'est dommage qu'Haïti est arrivé là. Donc, en général, il prenait soin toujours de sa famille. Et appréciait toujours tout le monde et implorait toujours Dieu. Nous profitons de cette occasion pour remercier sa nièce Marie-Lou Delva, infirmière de qualité, pour des soins prodigués à son nom. Et en maître reprise, elle revenait les États-Unis pour venir le soigner. Nous remercions aussi la sœur Claude qui était toujours à son chevet pour soigner sa toilette du matin au soir. Et elle l'incitait toujours à manger. Nous tenons aussi à saluer la présence de sa nièce Marguerite Delva, Yves Delva, Armando Hilas, de son petit-fils Delva Jean-Barnaby et Baroli Delva, qui ont bravé le danger en dépit de la crise politique pour être présents. Et nous remercions aussi le cousin de ma maman, M. Lucien Chéristal, qui nous accompagne toujours.
dans le cadre de la préparation des funérailles. Enfin, nous remercions le curé pour son serment, la chorale, les musiciens et tout le monde ici présent dans l'enceinte de cette salle qui assiste aux funérailles de feu Jean-Louis Théodelva. Et l'inhumation se fera au cimetière de Malo. Et nous vous attendons à l'épine. Adieu Jean-Louis Théodelva. Et pour une petite. Alors nous vous attendons à l'épine pour une petite ripaille et pour une petite bombance. Adieu Jean-Louis Théodelva. Merci pour ses bienfaits. Que la terre lui soit légère. La première vie ensemble avec lui, le Jésus-Christ est le moi, tout ça qui m'a là, va rassembler nous tous pour nous faire une bonne côté. Vous faut un café, s'il vous plaît. Qui j'en ai été bon, utile. Alors, dis bon Dieu merci pour la vie que tu as mis sous terre pendant 89 l'année. Et ça fait une femme séparée, ben tout le monde se vit pour tout temps, sans retirer. Amen. Nous espérons et nous croyons tout le monde qui baptisait dans Jésus et qui cherchait le même chemin à faire sur terre et puis au lever. C'est avec assurance ça, nous avons des grands là pour le bail frère, nous restons la vie qui va jamais finir, la vie papa, petite là, avec l'Esprit Saint.
Amen. Donc, dans ce sens, nous présenter votre meilleur à toutes et très proches, toutes proches, toutes petites, familles et seigneurs d'Elva. Bon courage à tous, spécialement à Lucida. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le Fils de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vive Papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Non, mais, même pas là-haut. Même pas là-haut.
Nous tout a passé.